vendu, j'en referai aussi pour Noël parce que j'aimerais pouvoir proposer ces pièces-là sur des marchés. Enfin, pour les marchés de Noël du coup en décembre. Et puis avoir du stock justement pour Noël. Donc j'en referai. Genre, je sais pas si toutes les tasses partent, je referai des tasses. Et si je mets dans ma liste, je dirai à ma famille, si vous choisissez ça, faut prendre direct. Ben, et puis c'est juste que. Non, je pense que. En vrai, je pense qu'il y aura du stock. Je pense qu'il y aura du stock. Parce que c'est quoi que tu voulais? On aimerait tous que tout parte en claquant des doigts. Bah ouais, j'aimerais trop. Moi, j'aimerais trop faire partie de ces... Enfin, non, en même temps, c'est frustrant parce que du coup, ils reçoivent des messages en mode oh, j'ai pas pu avoir la pièce. Oh, je suis dégoûtée. Mais businessment parlant, j'aimerais beaucoup que dès que je mets en ligne des pièces, elles partent instantanément. Ce serait absolument extraordinaire. Un poids sur mes épaules qui s'envolerait, mais ce n'est pas le cas. Donc il y en aura, et genre s'il n'y a plus les pièces là quand je les mets en ligne, tu vois, si elles partent en octobre et que tu veux une pièce en novembre, et ben de toute façon je pense que j'en referai pour refaire une dernière mise en ligne genre début décembre avec des pièces justement pour prévoir pour les cadeaux de Noël. Donc il devrait y avoir. J'avoue que les petites tasses, bols ou assiettes, j'aime bien. Bon, c'est gentil, vous essayez. Coucou C6, comment tu vas? Ça fait longtemps que j'avais pas pu regarder tes lives, comment ça va? Bah ça va bien! On charbonne à fond sur cette nouvelle collection. Et là justement on va finir aujourd'hui de graver toutes les pièces. On a le temps de graver toutes les pièces, de toute façon aujourd'hui puisqu'on est vendredi, on n'a rien à faire après. On a le temps. Peut-être même s'il reste du temps, je referai d'autres palettes. Bonjour bébé, comment ça va? Tu fais pas des précommandes? Ok, ça a freeze, d'accord. Pourquoi il est... J'avoue, bébé, il arrive, il est déjà vénère. C'est des cours de poterie que tu donnes? Oui, c'est des cours de tournage que je donne. Qu'est-ce que je disais? Non, je fais pas vraiment de précommande. J'en fais pour... Parce que je fais des pièces avec des portraits d'animaux. Et là, c'est en mode précommande. Genre pour des pièces personnalisées, je fais. Mais sinon, je fais pas trop de précommande. J'avoue. Je m'y suis jamais trop mise. S'il y a des gens qui me demandent une pièce en particulier, ça vient, mais ouais, j'avoue, je m'y suis pas trop remise. Vous êtes... Ah, coucou! Bonjour Livre, merci pour le raid! Ah, attendez, ça défile, quel beau pull à rayures, j'ai l'impression qu'elle vous a dit de dire ça. Bonjour à tous, bonjour Baptiste, bonjour Aurélie Pourré, coucou Libre, coucou Pomme, bonjour Ezog, bonjour Gaël le Gallois, bonjour Green Monkey Boy, Karim la Tartine, Fesquier. Bonjour à tous, merci Karim pour le follow, merci Octo pour le SO, merci Cintio pour le SO, merci tous les SO, grillé direct, bah bien sûr vous avez vu mon beau pull. Voilà, admirez-le, regardez-moi ça comme c'est beau, aïe 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 aïe, on est sur deux pulls, comment ça va? J'ai lurk un petit peu chez toi ce matin, j'ai vu que tu faisais de la peinture, j'ai vu que tu étais en train de réfléchir sur balancelle, banc en fer forgé. Banc en bois, un patio, un Porsche. Ça avait l'air très compliqué. J'espère que t'as passé un bon live et une bonne matinée, mais j'en doute pas. J'espère que vous avez tous passé un bon live chez Libre. Nous, on commence tout juste et on va graver aujourd'hui toutes ces petites pièces qui vont faire partie de la nouvelle collection qui sortira d'ici 2 semaines et quelques. Donc, si jamais vous découvrez, vous pouvez faire un petit point d'exclamation RS pour aller découvrir tous mes réseaux sociaux. Coucou Chloé Herza, tous les réseaux sociaux et tout ça. Et sur lesquels je partage pas mal de trucs. J'ai remis un petit reel en plus hier, si jamais vous voulez mettre du love sur les reels. Et il y a même des petites théières, du coup, on va décorer tout ça. Tu l'aurais ce pull, tu serais riche. Non, je le veux que pour moi. Si tu veux essayer de gratter notre place de modo. Du coup, j'ai dessiné une banane. Et ben, c'est parfait. Tu pourras te balancer sur la banane. Peut-être. Pourquoi pas. Merci, Cynthio, pour le RS. Ah, j'avoue, Cintio, elle gratte. Hein. Double SO, let's go. Et si vous connaissez pas Libre et Sauvage, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens, à aller follow pour pas rater ces prochains lives. Comme ça, vous pourrez avoir de la balade en forêt, du jardinage, de la broderie, du dessin, du bricolage, des roulades, du vélo, de la balade dehors. Enfin bref, vous pourrez tout voir, c'est trop bien. On s'y sent bien. En plus, là, va y avoir les petits trucs au coin du feu, c'est pas du tout le bon couvercle pour ça. Du coup voilà, bon j'ai mon café, il va falloir s'y mettre. Comment ça va Paume? Comment vous allez tout le monde? Hop. Une banane sel, oh là là, c'est beau ça Aurélie. Ça c'est beau.
Du coup, nous, on va se mettre à graver les petites montagnes, tranquillou. Et après, s'il y a le temps, tu as tout bien dit, c'est vrai. Moi, j'ai raté des trucs parce que tu fais tellement de choses trop chouettes que on peut pas tout retenir en fait. Le plus important, c'est les roulades. Qu'est-ce que je voulais dire? Si jamais, genre, je suis tellement efficace que je grave tout aujourd'hui et qu'il reste du temps, on refera quelques palettes. J'ai remis des palettes en ligne. Je fais des palettes. Si vous êtes peintre, si vous êtes artiste, je fais des petites palettes comme ça. Ok, vas-y, la cam, elle frise, elle me saoule. Je fais des petites palettes comme ça. Goban, comment ça, Goban? Des petites palettes là. Je viens d'en remettre trois grandes et une petite en ligne dans la boutique. Et il faudra que j'en refasse pour avoir un petit stock. Ça vient avec un petit cordon et tout. Vous pouvez faire un S, un point, point d'exclamation shop